La différence, elle est, je pense, plutôt sur la philosophie et la façon de communiquer. Les médias traditionnels, mais comme l'économie traditionnelle, est plus sur une communication très verticale, du sachant vers celui qui ne sait pas. Et je pense que les médias indépendants, outre des caractéristiques d'indépendance financière qui sont assez évidentes, sont plutôt sur un mode d'échange. Chez VoxMorang, par exemple, on a un robot sur Messenger avec qui vous conversez, vous avez des conversations et qui vous pousse des contenus qui sont propres à ce que vous avez envie de regarder ou ce qui vous intéresse. Pour moi, médias indépendants, aujourd'hui, en tout cas dans la situation où je suis, qui est explicite, où on est passé d'un média traditionnel à un média indépendant, ça implique nouveaux médias, donc ça implique remise en question de la manière dont on produit l'information et dont on interagit avec notre audience. Enfin, nous, en tout cas, c'était vraiment la question de départ. C'est d'avoir un contact beaucoup plus direct, de ne pas être dans notre tour d'ivoire, dans notre rédaction, où on va sur le terrain que quand il se passe quelque chose et quand il y a une info à couvrir, mais d'être sur la construction d'une communauté, d'être à l'écoute de ce que les gens veulent qu'on couvre aussi, de la manière dont ils veulent qu'on couvre les choses. Et en tant que média indépendant aujourd'hui, on a la possibilité d'être en interaction, que ce soit sur le live, sur les réseaux sociaux. On a plein de plateformes qui nous permettent de créer de l'info autrement. Et je crois que c'est ça qui va créer aussi notre indépendance, enfin, au-delà du fait qu'il faut être indépendant financièrement et ne pas dépendre que des grands groupes industriels, comme c'était le cas jusqu'ici pour les médias traditionnels. Je pense que la diversité, la pluralité font la qualité, la vérité, les opinions, elles ne sont jamais uniques, ni manichéennes, ni droites, ni blanches. Je pense que la diversité de l'information fait sa richesse et surtout permet de voter sur le fond des choses et sur les programmes. Et plus qu'aujourd'hui, ce qui peut être saisi très facilement, qui est juste sur les personnalités, qui n'est quand même pas la quintessence d'un programme politique. Je pense qu'on n'a jamais autant eu la possibilité de s'informer sur les programmes et sur l'actualité qu'aujourd'hui. On a plein de possibilités, plein de plateformes sur lesquelles on peut le faire. Donc je pense que c'est cette diversité qui crée de la richesse et qui permet peut-être aux gens de faire leur choix avec peut-être plus d'informations et d'informations différentes qui viennent d'un peu partout, de différents styles, de différentes branches, de différents bords. Enfin voilà, il y a plein de choses. Donc c'est cette diversité, elle est aussi importante pour la démocratie et justement en période d'élection présidentielle, ça continue. Je pense qu'il vient assez naturellement, on le voit avec l'émergence et le succès de beaucoup de jeunes médias indépendants qui ont un succès indéniable. Je pense que la soif d'un public sur des nouveaux modes de conversation et d'information, elle est assez évidente, et le succès de modèles aussi différents que Kaizen, Spicy, nous, Explicit le prouve aujourd'hui. Alors même si on est tout petit, on est naissant et qu'on a encore beaucoup de choses à prouver, en tout cas il y a une dynamique qui est indéniable. Bah, nous, ce qu'on a vu, c'est que les gens sont friands, ont envie de consommer l'information autrement. Donc nous, par exemple, sur Explicit, on a énormément de gens qui nous écrivent et qui nous regardent et qui nous suivent parce qu'ils sont curieux de voir comment on va traiter les choses. Donc je pense que ça se fait plutôt assez naturellement. Après, c'est aussi de notre responsabilité de faire une offre différente, crédible, sérieuse, d'être pédagogique, interactif. Enfin, voilà, mais je pense que les gens en ont envie, donc je pense que ça vient de manière assez naturelle.